journaliste, quoi donc? Est-ce que vous approuvez l'impertinence de ces historiens passionnés qui, après avoir raconté la mort d'un prince, jugent des desseins de Dieu sur lui, selon leurs passions et les intérêts de leur nation? Il faut bien que les écrivains espagnols ou les Français aient tort, ou peut-être les uns et les autres, lorsqu'ils décrivent la mort de Philippe II. Ne faut-il pas que les rois meurent aussi bien que nous, Théodore? Ces historiens ont tort, mais vous n'avez pas raison. Il ne faut pas juger que Dieu a dessein de faire du mal à un prince ennemi que nous haïssons. Cela est vrai, mais on peut et on doit croire qu'il a dessein de punir les méchants et de récompenser les bons. Ceux qui jugent de Dieu sur l'idée qu'ils ont de la justice exacte de l'être infiniment parfait en jugent bien, et ceux qui lui attribuent des desseins qui favorisent leur inclination déréglée en jugent très mal. Aristide est vrai, mais c'est une des suites des lois naturelles que tel soit accablé sous les ruines de sa maison, et le plus homme de bien n'en aurait pas échappé. Théodore, qui en doute? Mais avez-vous déjà oublié que c'est Dieu qui a établi ces lois naturelles? La fausse idée d'une nature imaginaire vous occupe encore quelque peu l'esprit et vous empêche de bien prendre le principe que je vous ai expliqué. Prenez donc garde, puisque c'est Dieu qui a établi les lois naturelles, il a dû combiner le physique avec le moral de manière que les suites de ces lois soient les meilleures qui puissent être, je veux dire les plus dignes de sa justice et de sa bonté, aussi bien que de ses autres attributs. Ainsi, on a raison de dire que la mort terrible d'un brutal et d'un impie est un effet de la vengeance divine, car quoique cette mort ne doit communément qu'une suite des lois naturelles que Dieu a établies, il ne les a établies que pour de semblables effets. Mais s'il arrive quelque malheur à un homme de bien dans le temps qu'il va faire une bonne œuvre, on ne doit pas dire que Dieu l'a voulu punir, parce que Dieu n'a pas établi des lois générales en vue de semblables effets. On doit dire ou que Dieu l'a permis ce malheur à cause que c'est une suite naturelle de ses lois qu'il a établies pour de meilleurs effets, ou qu'il a eu dessein par là d'éprouver cet homme de bien et de lui faire mériter sa récompense. Car entre les motifs que Dieu a eus de combiner de telle et telle manière le physique avec le moral, il faut assurément mettre en compte les grands biens que Dieu a prévus que par le secours de sa grâce tirerions de nos misères présentes. Ainsi les hommes ont raison d'attribuer à la justice de Dieu les maux qui arrivent aux méchants, mais je crois qu'ils se trompent en deux manières. La première, c'est qu'ils ne font de ces jugements que dans les punitions extraordinaires et qui leur frappent l'esprit, car si un scélérat meurt de la fièvre, il ne juge pas ordinairement que c'est une punition de Dieu. Il faut pour cela qu'il meure d'un coup de foudre ou par la main du bourreau. La seconde, c'est qu'ils s'imaginent que les punitions remarquables sont des effets d'une volonté particulière de Dieu. Autre faux jugement qui, autant à la providence divine, sa simplicité et sa généralité, en efface le caractère de la prescience infinie et de l'immutabilité. Car assurément, il faut infiniment plus de sagesse pour combiner le physique avec le moral, de manière que tel se trouve justement puni de ses violences en conséquence de l'enchaînement des causes, que de le punir par une providence particulière et miraculeuse. Ariste, c'est ainsi, Théodore, que je le comprends, mais ce que vous dites là ne justifie pas la témérité de ceux qui jugent hardiment des desseins de Dieu dans tout ce qu'ils voient arriver. Théodore, je ne prétends pas aussi qu'ils les aient toujours raison, je dis seulement qu'ils ont raison quand leurs jugements sont exempts de passion et d'intérêt, et qu'ils sont appuyés sur l'idée que nous avons tous de l'être infiniment parfait. Encore ne prétends-je pas qu'ils fassent bien de dire trop affirmativement que Dieu a eu tel ou tel dessein. Par exemple, il me paraît certain qu'un motif de l'établissement des lois générales a été telle affliction de tel homme de bien, si Dieu a prévu que celui serait un grand sujet de mérite. Ainsi Dieu a voulu cette affliction qui nous paraît à nous autres, qui n'en prévoyons pas les suites, ne pas s'accorder avec sa bonté. Ceux donc qui décident que Dieu a seulement permis que tel malheur arrivât à tel fond, un jugement à tel font un faux jugement. Mais que voulez-vous, Ariste? Il vaut mieux laisser aux hommes prévenus comme ils sont de leur nature imaginaire la liberté de juger trop affirmativement des desseins de Dieu que de les critiquer sur la contradiction de leur jugement touchant des effets qui paraissent contredire les attributs divins.
Qu'importe que les esprits se contredisent et s'embarrassent selon leurs fausses idées, pourvu qu'au fond, on ne se trompe point dans les choses essentielles, pourvu que les hommes ne donnent point à Dieu des desseins contraires à ses attributs et qu'ils ne la fassent point agir pour favoriser leurs passions. Je crois qu'il faut les écouter paisiblement, au lieu de les embarrasser par des contradictions qui, selon leurs principes, sont inexplicables. La charité veut qu'on reçoive ce qu'ils disent pour les affermir dans l'idée qu'ils ont de la providence, puisqu'ils ne sont point en état d'en avoir une meilleure. Car il vaut encore mieux attribuer à Dieu une providence humaine que de croire que tout se fait au hasard. Mais de plus, ils ont raison dans le fond. Tel impie est mort. On peut dire hardiment que Dieu a eu dessein de le punir. On aurait encore plus de raison de dire que Dieu a voulu empêcher qu'il ne corrompît les autres, parce qu'effectivement Dieu veut toujours, par les voies générales qu'il a établies, faire tout le bien qui se peut. Tel homme de bien est mort avant l'âge, lorsqu'il allait secourir un misérable. On ne doit point craindre de juger, quand même il aurait été frappé de la foudre, que Dieu l'a voulu récompenser. On peut dire de lui ce que l'Écriture dit d'Enoch. Il fut enlevé de peur que le mal n'affectât son intelligence, ou que le mensonge ne trompât son âme. La mort l'a enlevé de peur que le siècle ne lui corrompît l'esprit et le cœur. C'est que tous ces jugements sont conformes à l'idée que nous avons de la justice et de la bonté de Dieu, et qu'ils s'accordent assez bien avec les desseins qu'il a eus lorsqu'il a établi les lois générales qui règlent le cours ordinaire de sa providence. Ce n'est pas qu'on ne se trompe souvent dans ses jugements, car apparemment tel ou tel homme de bien qui est mort jeune aurait encore acquis de plus grands mérites et converti bien des pécheurs s'il eût vécu plus longtemps dans les circonstances où il se serait trouvé en conséquence des lois générales de la nature et de la grâce. Mais ces sortes de jugements, quoique un peu téméraires ou hardis, n'ont point de mauvais effets, et ceux qui les font ne prétendent point tant qu'on les croit véritables, qu'on adore la sagesse et la bonté de Dieu dans le gouvernement du monde. Ariste, je vous entends, Théodore. Il vaut mieux que les hommes parlent mal de la Providence que de n'en parler pour jamais. Théodore, non, Ariste, mais il vaut mieux que les hommes parlent souvent de la Providence selon leurs faibles idées que de n'en parler jamais. Il vaut mieux que les hommes parlent de Dieu humainement que de n'en dire jamais rien. Il ne faut jamais mal parler ni de Dieu ni de sa providence, cela est vrai. Mais il nous est permis de bégayer sur ces matières si relevées, pourvu que ce soit selon l'analogie de la foi, car Dieu se plaît dans les efforts que nous faisons pour raconter ses merveilles. Croyez-moi, Ariste, on ne peut guère plus mal parler de la providence que de n'en dire jamais rien. Théotime, voudriez-vous, Ariste, qu'il n'y eût que les philosophes qui parlassent de la providence, et entre les philosophes que ceux qui en ont l'idée que vous en avez maintenant? Ariste, je voudrais, Théotime, que les hommes ne parlassent jamais de la providence d'une manière propre à faire croire aux simples que les méchants ne réussissent jamais dans leur entreprise, car la prospérité des impies est un fait si constant que cela peut jeter et que cela jette souvent de la défiance dans les esprits. Si les biens et les maux temporels étaient à peu près réglés suivant les mérites, et la confiance en Dieu, la manière dont on parle ordinairement de la providence, n'aurait point de mauvaise suite. Mais prenez garde, la plupart des hommes, et ceux-là principalement qui ont le plus de piété, tombent dans de très grands malheurs, parce qu'au lieu de se servir dans leurs besoins des moyens sûrs que leur fournit la providence générale, ils tentent Dieu dans l'espérance trompeuse d'une providence particulière. S'ils ont un procès, par exemple, ils négligent de faire les écritures nécessaires pour instruire les juges de la justice de leur cause. S'ils ont des ennemis ou des envieux qui leur dressent des embûches, au lieu de veiller sur eux pour découvrir leur dessein, ils s'attendent que Dieu ne manquera pas de les protéger. Les femmes qui ont un mari fâcheux, au lieu de le gagner par de la patience et l'humilité, vont en faire leur plainte à tous les gens de bien qu'elles connaissent et le recommander à leurs prières. On n'obtient pas toujours ce moyen, ce qu'on désire, ce qu'on espère par ce moyen. Et alors on ne manque guère de murmurer contre la Providence et d'entrer dans des sentiments qui offensent les perfections divines. Vous savez, Théotime, les funestes effets que produit dans l'esprit des simples une Providence mal entendue, et que c'est principalement de là que la superstition tire son origine, superstition qui cause dans le monde une infinité de maux. Théotime,
Je vous avoue, Ariste, qu'il serait à souhaiter que tous les hommes eussent une juste idée de la providence divine. Mais je vous soutiens avec Théodore que cela n'étant pas possible, il vaut mieux qu'ils en parlent comme ils font que de n'en rien dire du tout. L'idée qu'ils en ont, toute fausse qu'elle est, et même cette pente naturelle qui fait que les esprits se portent à la superstition, leur est fort avantageuse dans l'état où ils sont, car cela les empêche de tomber dans mille désordres. Quand vous y aurez bien pensé, je crois que vous en demeurerez d'accord. Tel perd son procès pour avoir négligé les voies naturelles de le gagner. Qu'importe, Ariste, la perte de son bien sera peut-être la cause de son salut. Assurément, si ce n'est point la paresse et la négligence qui l'ont porté à laisser tout là, mais un saint mouvement de confiance en Dieu et la crainte d'entrer dans un esprit de chicane et de perdre son temps assez inutilement. Si cela est, il a gagné son procès devant Dieu, quoiqu'il l'ait peut-être perdu devant les hommes, car il lui reviendra plus de profit d'un procès perdu de cette manière que gagné d'un autre, avec dépens, dommages et intérêts. Théodore, nous sommes chrétiens, Ariste, nous avons droit au vrai bien. Le ciel est maintenant ouvert et Jésus-Christ, notre précurseur et notre chef, y est déjà entré pour nous. Ainsi, Dieu ne récompense plus comme autrefois notre confiance en lui par l'abondance des biens temporels. Il en a de meilleurs pour ses enfants adoptés en Jésus-Christ. Ce temps est passé avec la loi. L'alliance ancienne et figurative de la nouvelle est maintenant abrogée. Si nous étions juifs, j'entends des juifs charnels, nous aurions ici-bas une récompense proportionnée à nos mérites. Encore un coup, je dis des juifs charnels, car les juifs chrétiens ont eu part à la croix de Jésus-Christ avant que d'avoir part à sa gloire. Mais nous avons de meilleures espérances qu'eux. D'autres biens plus excellents et qui ne périront jamais, fondés sur une meilleure alliance et de meilleures victimes. L'alliance dont Jésus est le médiateur est plus parfaite, par des victimes plus excellentes qui n'ont été les premières. La prospérité des méchants ne doit plus étonner que les chrétiens juifs, que les mahométans, que ceux qui ne savent pas la différence qu'il y a entre les deux alliances, entre la grâce de l'Ancien Testament et celle du Nouveau, entre les biens temporels que Dieu distribuait aux juifs par le ministère des anges et les vrais biens que Dieu donne à ses enfants par notre chef et notre médiateur Jésus-Christ. On croit que les hommes doivent être misérables à proportion qu'ils sont criminels. Il est vrai, mais dans le fond, on a raison de le croire, car cela arrivera tôt ou tard. Il n'y a point de chrétien qui ne sache que le jour viendra auquel Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. La prospérité des méchants ne peut donc ébranler que ceux qui manquent de foi et qui ne reconnaissent point d'autres biens que ceux de la vie présente. Ainsi, Ariste, l'idée confuse et imparfaite de la providence, qu'ont la plupart des hommes, ne produit point tant de mauvais effets que vous le pensez dans les vrais chrétiens, quoiqu'elle trouble l'esprit et qu'elle inquiète extrêmement le commun des hommes, qui remarquent souvent qu'elle ne s'accorde pas avec l'expérience. Mais il vaut mieux qu'ils en aient cette idée que d'en avoir point du tout, ce qui arriverait peu à peu s'ils la laissaient effacer de leur esprit par un silence pernicieux. Ariste, je vous avoue, Théotime, que la foi empêche souvent qu'on ne tire des conséquences impies de la prospérité des méchants et des afflictions des gens de bien. Mais comme la foi n'est pas si sensible que l'expérience continuelle de ces événements fâcheux, elle n'empêche pas toujours que l'esprit ne s'ébranle et ne se défie de la providence. De plus, les chrétiens ne suivent presque jamais les principes de leur religion. Ils parlent des biens et des maux comme les juifs charnels. Quand un père exhorte son fils à la vertu, il ne craint point de lui dire que s'il est homme de bien, toutes ses entreprises réussiront. Croyez-vous que son fils pense au vrai bien ? Hélas, peut-être que le père n'y pensa jamais lui-même. Cependant, les libertins qui remarquent avec soin les contradictions de tous ces discours, qu'on fait sans réflexion sur la providence, ne manquent pas d'en tirer des preuves de leur impiété. Et elles sont si sensibles, ces preuves, et si palpables, qu'il suffit qu'ils les proposent pour ébranler les gens de bien et pour renverser ceux que la foi ne soutient point. Pensez-vous, dit Jésus-Christ, que ces 18 personnes qui furent écrasées sous les ruines de la tour de Siloé fussent plus criminelles ou plus redevables à la justice de Dieu que les autres habitants de Jérusalem? Non, dit-il, mais vous périrez tous si vous ne faites pénitence. Voilà comme il faut parler aux hommes pour leur apprendre qu'en cette vie, les plus misérables ne sont pas pour cela les plus criminels,
et que ceux qui vivent dans l'abondance, au milieu des plaisirs et des honneurs, ne sont pas pour cela plus chéris de Dieu, ni protégés d'une providence plus particulière. Théotime, oui, Ariste, mais tout le monde n'est pas toujours en état de goûter cette vérité. Cette parole est dure. Les charnels, ceux qui ont encore l'esprit juif, n'y comprennent rien. Il faut parler aux hommes selon leur portée et s'accommoder à leur faiblesse pour les gagner peu à peu. Il faut conserver soigneusement dans leur esprit l'idée de la providence telle qu'ils sont capables de la voir. Il faut leur promettre le centuple, qu'ils l'entendent comme ils pourront, selon les dispositions de leur cœur. Les charnels l'entendront mal, il est vrai, mais ils voient encore mieux qu'ils croient que la vertu sera mal récompensée que de ne l'être point du tout. Elle sera même parfaitement bien, selon leurs fausses idées. Quelque libertin leur fera remarquer qu'on leur fait de vaines promesses. Je le veux, mais peut-être cela servira-t-il à leur faire comprendre qu'ils se trompent eux-mêmes et que les biens qu'ils estiment si forts sont bien peu de choses puisque Dieu les distribue si mal à leur gré et selon leurs préjugés. Assurément, Ariste, on ne peut guère trop parler de la providence, quand même on n'y connaîtrait rien, car cela réveille toujours dans l'esprit cette pensée qui est le fondement de toutes les religions, qu'il y a un Dieu qui récompense et qui punit. L'idée confuse de la providence est aussi utile que celle que vous en avez pour porter à la vertu le commun des hommes. Elle ne peut éclaircir les difficultés des impies, on ne peut la défendre sans tomber dans un nombre infini de contradictions, cela est vrai. Mais c'est de quoi les simples ne s'embarrassent guère. La foi les soutient, leur simplicité, leur humilité les met à couvert contre les attaques des libertins. Ainsi, je crois que dans les discours faits pour tout le monde, il faut parler de la providence selon l'idée la plus commune. Et ce que Théodore nous a appris, il faut le garder pour faire taire les prétendus esprits forts et pour rassurer ceux qui se trouveraient ébranlés par la considération des effets qui paraissent contredire les perfections divines. Encore doit-on supposer qu'il soit capable de l'attention nécessaire pour suivre nos principes, car autrement ce serait bien le plus court, s'ils étaient chrétiens, de les arrêter uniquement par l'autorité de l'Écriture.